qualité d'une belle vidéo, c'est une belle musique. Grâce à la musique, tu peux faire passer une émotion, tu peux transmettre une ambiance, tu peux mieux faire passer tes idées, tu peux engager davantage l'audience qui t'écoute et qui te suit. Malheureusement, on a tous connu les strikes sur YouTube, en tout cas moi j'ai connu ça, c'est-à-dire que tu utilises une musique où tu pensais que c'était à peu près libre, en fait c'est pas libre. Du coup YouTube te met un avertissement, au bout de 5 avertissements il supprime ta chaîne, au bout d'un seul avertissement il te bloque des fonctionnalités comme la monétisation de tes vidéos par la publicité, ou alors le fait libre, en fait c'est pas libre. Du coup YouTube te met un avertissement, au bout de 5 avertissements il supprime ta chaîne, au bout d'un seul avertissement il te bloque des fonctionnalités comme la monétisation de tes vidéos par la publicité, ou alors le fait de pouvoir publier des vidéos de plus de 15 minutes, qui est quand même assez handicapant. Et deuxième chose, bah t'as pas forcément envie de payer 30€, 50€, 100€ pour des simples musiques, alors que t'es un petit créateur, t'as pas forcément un gros budget, et t'as envie tout simplement d'avoir des bonnes musiques. Voilà, ton boulot c'est de faire des vidéos, c'est pas de composer de la musique. Ton but c'est juste de trouver des bonnes musiques, des musiques qui te plaisent, des musiques qui soutiennent le message que tu délivres dans ta vidéo, des musiques gratuites et bien sûr des musiques que tous les autres youtubeurs n'utilisent pas déjà, parce que c'est un petit peu énervant d'entendre toujours la même musique dans toutes les vidéos YouTube. Donc c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. J'ai pris mon ordi, pourquoi? Parce que je vais te montrer directement mon écran et je vais te montrer justement les trois sources de musique gratuite et libre que tu peux trouver. Tu vas voir qu'il y a énormément de choix en fait. Alors avant toute chose, je me présente, je m'appelle Antoine BM, j'ai une chaîne YouTube depuis presque un an maintenant, je publie une vidéo par jour du lundi au samedi, je parle de stratégie pour les youtubeurs débutants, je vide mes vidéos depuis maintenant pas mal de temps avec une petite audience et donc je donne des conseils aux gens pour être plus libre, pour être plus indépendant et pour réussir aussi sur YouTube parce que c'est un domaine qui m'intéresse énormément et j'ai plein de contenu et plein de valeurs à te donner. Donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes à ma chaîne et sinon on entre tout de suite sur mon écran pour voir les différentes techniques pour trouver des musiques. C'est parti. Donc là tu reconnais, on est dans le Creator Studio sur le tableau de bord et cette technique tu dois la connaître, mais si tu la connais pas, je suis obligé de la donner parce que c'est la technique de base pour trouver des musiques gratuites sur YouTube, c'est d'aller dans la bibliothèque audio tout simplement qui se trouve ici. Et là-dedans, bah, t'as plein de musiques classées par genre, classées par humeur, classées par instrument, par durée, par paternité, je sais pas ce que ça veut dire. Et toutes ces musiques, tu peux les utiliser alors avec plus ou moins de conditions. C'est-à-dire que c'est des musiques qui sont sous la licence Creative Commons, donc tu peux les réutiliser, mais certaines musiques, comme celle-là par exemple, durée, par paternité, je sais pas ce que ça veut dire. Gratuite sur YouTube, c'est d'aller dans la bibliothèque audio tout simplement qui se trouve ici. Et là-dedans, bah, t'as plein de musiques sur le tableau de bord et cette technique tu dois la connaître, mais si tu la connais pas, je suis obligé de la donner parce que c'est la technique de base pour trouver des musiques gratuites sur YouTube, c'est d'aller dans la bibliothèque audio tout simplement qui se trouve ici. Et là-dedans, bah, t'as plein de musiques classées par genre, classées par humeur, classées par instrument, par durée, par paternité, je sais pas ce que ça veut dire. Et toutes ces musiques, tu peux les utiliser alors avec plus ou moins de conditions. C'est-à-dire que c'est des musiques qui sont sous la licence Creative Commons, donc tu peux les réutiliser, mais certaines musiques, comme celle-là par exemple, ont besoin d'être créditées. C'est-à-dire que dans la description, tu vas devoir mettre un lien vers l'auteur tout simplement de la musique. Donc ces musiques, tu peux les écouter. Ces musiques tu peux les écouter, ces musiques tu peux les ajouter en favori, ce que je ne vais pas faire pour celle-ci, et ces musiques tu peux les télécharger directement sur ton ordinateur, ce qui est quand même assez pratique. Tu as aussi une bibliothèque d'effets sonores que tu peux utiliser à volonté dans tes vidéos, donc c'est sûrement l'endroit le plus pratique et le plus sûr, surtout pour utiliser des musiques libres, puisque c'est YouTube lui-même finalement qui te les donne. En fait, YouTube va piocher dans différents catalogues de musiques libres, il les rassemble tous ici, c'est simple, c'est bien fait. Donc moi, c'était le premier truc que j'utilisais en fait pour trouver des musiques libres sur YouTube. Le deuxième truc, c'est beaucoup moins connu, c'est SoundCloud. Il y a beaucoup de musiques qui ne sont pas libres, c'est pas parce que tu peux les écouter gratuitement, mais tu peux les utiliser autant que tu veux gratuitement. Souvent, l'avantage de SoundCloud, c'est que c'est des petits artistes indépendants qui sont pas trop connus, qui sont pas forcément sur iTunes, sur Spotify. Sur YouTube et tu vas pas forcément avoir de strike. Ce que je te conseille de faire, ce que moi j'ai déjà fait et ce qui marche très bien, c'est de contacter des petits indépendants sur SoundCloud que tu aimes, que tu apprécies, qui font vraiment de la bonne musique et leur demander simplement si tu peux utiliser leur musique. Donc par exemple, tu vas cliquer sur l'auteur de la musique, tu vas cliquer sur message et tu vas lui envoyer un petit message en anglais simplement pour te présenter, pour dire que tu as une chaîne YouTube, pour dire que tu aimes ces musiques et que tu voudrais les utiliser pour ta chaîne YouTube. Bien sûr, en le créditant, c'est-à-dire en mettant le lien vers son compte SoundCloud dans la description de ta vidéo. Moi j'ai fait pas mal de demandes comme ça et j'ai à peu près une personne sur deux qui accepte, donc il y a un très bon taux de retour. Et une fois que la personne accepte, bah, simplement j'ajoute sa musique dans une playlist que j'ai créée qui s'appelle Pour les vidéos. Donc ça c'était une super musique que tu ne peux pas utiliser parce qu'elle n'est absolument pas libre. Il y a beaucoup de musiques qui ne sont pas libres, c'est pas parce que tu peux les écouter gratuitement, mais tu peux les utiliser autant que tu veux gratuitement. Souvent l'avantage de SoundCloud c'est que c'est des petits artistes indépendants qui ne sont pas trop connus, qui ne sont pas forcément sur iTunes, sur Spotify, et donc les musiques ne sont pas forcément référencées sur YouTube et tu ne vas pas forcément avoir de strike. Ce que je te conseille de faire, ce que moi j'ai déjà fait et ce qui marche très bien, c'est de contacter des petits indépendants sur SoundCloud que tu aimes, que tu apprécies, qui font vraiment de la bonne musique et leur demander simplement si tu peux utiliser leur musique. Donc par exemple, tu vas cliquer sur l'auteur de la musique, tu vas cliquer sur message et tu vas lui envoyer un petit message en anglais simplement pour te présenter, pour dire que tu as une chaîne YouTube, pour dire que tu aimes ces musiques et que tu voudrais les utiliser pour ta chaîne YouTube, bien sûr en le créditant, c'est-à-dire en mettant le lien vers son compte SoundCloud dans la description de ta vidéo. Moi j'ai fait pas mal de demandes comme ça et j'ai à peu près une personne sur deux qui accepte, donc y a un très bon taux de retour. Et une fois que la personne accepte, bah simplement j'ajoute sa musique dans une playlist que j'ai créée qui s'appelle Pour les vidéos. Donc là c'était une super musique que tu ne peux pas utiliser parce qu'elle n'est absolument pas libre, c'était juste pour le kiff. Deuxième astuce pour SoundCloud, chercher des musiques qui sont directement sous la licence Creative Commons, tu peux le faire super facilement. Par exemple, je cherche un genre de musique, donc je tape funk, ensuite je vais sur tracks, ensuite je clique sur le petit symbole copyright to listen to et je clique sur to use commercially, donc à utilisation commerciale. Et donc là il va te mettre toutes les musiques que tu peux utiliser en fait dans tes vidéos. Donc au hasard celle-là, on va voir ce que c'est. Oui, donc voilà, ça c'est une musique par exemple que tu peux utiliser. Donc comment tu vas faire? Parfois il y a un lien en téléchargement juste en dessous, sinon c'est hyper simple. Tu copies le lien, tu tapes sur Google un truc du style SoundCloud Download. T'as plein de sites qui te permettent de le faire hyper simplement. Moi j'utilise celui-là généralement. Je mettrai tous les liens en description, t'inquiète pas, t'auras tout. Tu copies ton lien, tu fais Download et tu peux directement télécharger ta musique sur ton ordinateur et l'utiliser sur tes chaînes YouTube. La troisième solution, c'est les musiques sans copyright. T'as plusieurs sites et chaînes YouTube qui te donnent pléthore de musiques que tu peux utiliser gratuitement sans même les mentionner, puisque tout simplement elles sont libres, il n'y a aucun copyright. Et tu peux les trouver gratuitement. T'as un site qui s'appelle Incompetech qui en propose pas mal et qui en propose des biens si tu cherches un petit peu. T'as un outil qui s'appelle Ben Sound qui propose aussi tout un catalogue de musique un peu vraiment classé par thématique, qui a vraiment du style YouTube, par exemple celle-là.
YouTube. La troisième solution, c'est les musiques sans copyright. T'as plusieurs sites et chaînes YouTube qui te donnent pléthore de musiques que tu peux utiliser gratuitement sans même les mentionner, puisque tout simplement elles sont libres et il n'y a aucun copyright. Et tu peux les trouver gratuitement. T'as un site qui s'appelle Incompetech qui en propose pas mal et qui en propose des biens si tu cherches un petit peu. T'as un autre site qui s'appelle Bensound qui propose aussi tout un catalogue de musique un peu vraiment classé par thématique qui a vraiment du style YouTube, par exemple celle-là. Voilà, donc si t'es du genre à faire des tutos cupcakes, t'as trouvé ta musique. Ensuite, t'as des chaînes YouTube comme celle-ci, comme Audio Library No Copyright Music, qui proposent des musiques directement sans copyright que tu peux télécharger facilement. C'est des grosses chaînes YouTube qui ont beaucoup de gens qui les suivent et ils sortent vraiment des bonnes musiques parfois comme celle-ci. Donc ça c'est un style de musique, t'en as d'autres, t'as No Copyright Sounds qui en propose pas mal aussi, tu as Free Songs to Use qui en propose beaucoup aussi, tous les liens vers ces chaînes YouTube je les ai mis en description comme ça tu peux y accéder facilement en un clic, don't worry, t'as besoin de prendre de notes. Ok, je récapitule, la première solution c'est d'utiliser la bibliothèque audio directement fournie par YouTube, là t'es sûr d'avoir aucun problème de droit d'auteur. L'inconvénient de ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens déjà qui les utilisent, bien sûr, mais il y a de plus en plus de musiques qui sont dedans, donc ça va, ça rattrape. On peut utiliser, donc comment tu vas faire? Parfois, il y a un lien. Qu'est-ce que c'est? Ok, pardon. Oui, donc voilà, ça c'est une musique par exemple que tu peux utiliser. Donc, comment tu vas faire? Parfois, il y a un lien en téléchargement juste en dessous. Sinon, c'est hyper simple. Tu copies le lien, tu tapes sur Google un truc du style SoundCloud Download. T'as plein de sites qui te permettent de le faire hyper simplement. Moi, j'utilise celui-là généralement. Je te mettrai tous les liens en description. Hein, t'inquiète pas, t'auras tout. Tu copies ton lien, tu fais download et tu peux directement télécharger ta musique sur ton ordinateur et l'utiliser sur tes chaînes YouTube. La troisième solution, c'est les musiques sans copyright. Tu as plusieurs sites et chaînes YouTube qui te donnent pléthore de musiques que tu peux utiliser gratuitement sans même les mentionner, puisque tout simplement elles sont libres et il n'y a aucun copyright. Et tu peux les trouver gratuitement. Tu as un site qui s'appelle Incompetech qui en propose pas mal et qui en propose des biens si tu cherches un petit peu. Tu as un autre site qui s'appelle Bensound qui propose aussi tout un catalogue de musique un peu vraiment classé par thématique qui a vraiment du style YouTube, par exemple celle-là. Si t'es du genre à faire des tutos cupcakes, t'as trouvé ta musique. Ensuite, t'as des chaînes YouTube comme celle-ci, comme Audio Library No Copyright Music, qui proposent des musiques directement sans copyright que tu peux télécharger facilement. C'est des grosses chaînes YouTube qui ont beaucoup de gens qui les suivent et ils sortent vraiment des bonnes musiques parfois comme celle-ci. Donc ça c'est un style de musique, t'en as d'autres, t'as No Copyright Sounds qui en propose pas mal aussi, tu as Free Songs to Use qui en propose beaucoup aussi, tous les liens vers ces chaînes YouTube je les ai mis en description comme ça tu peux y accéder facilement en un clic, don't worry, t'as besoin de prendre de notes. Ok, je récapitule, la première solution c'est d'utiliser la bibliothèque audio directement fournie par YouTube, là t'es sûr d'avoir aucun problème de droit d'auteur. L'inconvénient de ça c'est qu'il y a beaucoup de gens déjà qui les utilisent bien sûr, mais il y a de plus en plus de musiques qui sont dedans donc ça va, ça rattrape. La deuxième solution c'est d'aller sur SoundCloud et soit de demander directement aux petits artistes de l'accès à leur musique et le fait de...
Coucher cette là.